Ah mon GG, un petit vol ce soir? Yes my dear. Avec la with the 3D. Bon. Alors tu vois ce qu'il faut faire déjà en premier, déjà par le vent. Déjà bien respecter le vent, bien de face. Parce que sinon. Ah ouais, c'est mieux quand même pour décoller. Hein. C'est beaucoup mieux pour décoller. Et la voile bien centrée. Ouais, je fais un petit coucou à, bah à oui, la caméra. Un petit coucou. Ouais. Donc la voile bien centrée sur le. Qu'est-ce qu'il y a ? Si on n'est pas centré, on peut partir en. De toute façon, je te réindiquerai le vent. Tout à fait. Voilà. Super. Donc là, je prépare bien. Il faut bien préparer son matériel. Parce que une bonne préparation, c'est voilà. Un vol, un déco. Assuré. Assuré. À 200%. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que. Cet engin-là, il est super, c'est un moteur allemand, c'est du top niveau, comme les BM, mais ça fait 40 kg quand il y a le plein. 40 kg. Bon, donc il faut bien gérer le déco, parce que tu décolles une fois, deux fois, mais quand il n'y a pas de vent, à la troisième fois, tu vas te coucher. Hein. Par contre, je vais démarrer moi-même, j'essaye de faire un petit démarrage pour tester. J'oriente vers le haut pour pas que la voile bouge. C'est parfait. Une fois que tout ça c'est fait, tout est clean, mettre le casque. En fait, tu as tout un rituel qu'il faut. C'est comme une checklist en fait. Si tu oublies quelque chose, faut se passer des petites choses pour faire attention. Il manque quand même quelque chose. D'habitude, il y a 15 femmes qui viennent. Oui, c'est vrai. Qui sont autour de GG. Des 15 qui femmes. Et... qui le soutiennent, qui sont là. GG, GG. Les 15 femmes, elles sont là, mais j'en baise aucune. Venues. Alors donc. Là, le soleil va se coucher très rapidement. Hein. Oui, oui, oui. Très, très rapidement. Tu vas pouvoir me faire quelques petits passages. En 3D, c'est super, Xavier. Hein. Bah écoute, là tu sors de l'écran, je t'attrape là en ce moment. Est-ce que tu c'est vois la 3D, c'est génial la 3D. Oui, ça, 3D. Super. Parfait. Parce qu'en fait, commande. Hein. Oui, parce que là j'ai une bonne profondeur de champ, tu verras. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand il y a des gens, c'est de ne pas oublier certaines choses. Eh oui, mon petit Xavier, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que tu veux là? Oui. C'est super, non? C'est magnifique. Ça me paraît bien. Ça me paraît super. Ça te semble bien? Ouais, je te ferai une petite vérif après quand tu seras debout. De toute façon, je vais te démarrer. Tu peux la mettre un peu plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Je vais même. Ouais. Hop! Voilà, c'est la séquence. Séquence démarrage.
meilleur quoi. Donc là, s'il voulait partir en balade, il faudrait qu'il aille par là. Et quand le soleil descend encore, t'as un orange avec le... c'est magique. J'adore ce couchant de soleil ici sur Avern, je trouve... Ouais. En été, il se couche là, ouais. Et puis plus on passe en hiver, plus il se couche là. Ah bah ça envoie du vent hein. Ah ouais, ah, ça dégage. Et j'ai été formé par lui alors. Par GG ouais. Joël et GG sont tous les instructeurs. Oui. Ouais. Ah, mes débuts ont été parce que j'avais du matériel qui n'était pas adapté à mon poids. Ouais. Oh la vache. Pour décoller. Je faisais tout le champ. Ah, il faut un truc. Voilà, mais toi, je sais pas combien tu dois peser dans les 75, 80 kg, 75, voilà. Bah, c'est bon. D'ailleurs, pour commencer, il vaut mieux avoir le matériel avant de passer le brevet. Pour s'habituer, ou c'est pas une. Il n'y a pas de règle. Moi je me le suis acheté petit à petit. Ah bah c'est vrai que c'est un... Voilà. J'ai commencé avec le matériel école. Et après petit à petit je me suis acheté mon matériel, d'autant plus qu'il n'y avait pas du. Enfin, en fait, il fallait que j'ai un engin qui me pousse bien. Ouais. Et une voile adaptée à ma taille aussi. Et donc. Je crois que j'ai fait 4-5 vols avec le matériel de l'école et après j'ai eu le matériel. Parce que là, ça change tout, ça change la vie. Quand t'es installé dans la sellette, ça change la vie quand t'as du matériel adapté. Matériel d'occasion ou neuf Eh ben moi, j'ai acheté neuf, mais parce qu'en fait je flippais d'avoir un matériel d'occasion, ouais. Que je connaisse pas bien, etc. Mais maintenant, je m'achèterai du matériel d'occasion. Voilà ce que j'en pense. Et que sur l'occas, sur le marché de l'occas, tu peux avoir de très très bons trucs, mais il faut te faire aider. Ça va comme ça, ouais, ouais. C'est l'autre. C'est, d'accord, bah, d'accord. Ortega. Voilà, et franchement, celui-là, il est excellent. Et pour passer le brevet, alors pour, de toute façon, pour le brevet, que tu passes à l'aéroport, soit d'Orly, soit de Beauvais, en fonction de ce que tu préfères. Bah, Beauvais, ce serait mieux. Et bah, Beauvais. En fait, il faut t'entraîner, il faut faire des QCM, il faut en manger des QCM, et puis après, voilà. Mais le bouquin est très bien parce qu'il te donne des... Alors ça, c'est voilà. Du vol, hein. Un petit vol de septembre. Ça, c'est du vol. Extraordinaire, le petit vol de septembre. Je suis très, très satisfait, mon petit Xavier. Très, très, très satisfait. Bah, tu peux. Et avec la petite paire de lunettes, super. Il y avait un petit peu plus de vent là-haut qu'en bas, hein, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Hein. Oh, mais regarde le beau soleil. Voilà, c'est ça. Bah, magnifique. Écoute, je vais te filmer avec le couchant derrière. Bon, t'as vu le paramoteur, c'est ludique. Ah, parce que là, ça fera un beau plan. Ah là, voilà. C'est écoute. Ludique, très, très ludique. Ça, franchement, c'est un beau plan. Hein? Parce que j'ai mis le soleil à l'angle très ludique. De droite. Et là, t'es en plein contre-jour. C'est bien, là. Et le contre-jour sort de l'écran, donc c'est presque une photo à faire. Non, on est vraiment très bien dans le Vexin, c'est vraiment super. Ouais. C'est vraiment extraordinaire, le Vexin. Le Vexin. Tu veux que je te décroche Viens avec moi, oui. Donc, voilà. Xavier. Ah, viens avec nous. Ça te fera un bon souvenir. Comme ça, quand tu seras breveté, tu diras voilà, ah, ouais, voilà. J'étais avec vous ce jour-là. Voilà, les trois mousquetaires. Merci, mon petit Xavier. Je te décroche ou tu peux. Bon, je vais le faire.
Ouais, regarde, c'est sympa là, regarde, avec le soleil dans le fond comme ça. Le bien en face. C'est joli, hein. C'est vrai que là-haut, c'est complètement autre chose encore. Ouais. Bah écoute, j'accroche GG qui volait en dessous de moi. Avec le zoom. Ah, il est vachement rapide le zoom, hein. Regarde la profondeur de champ. Que ça donne. C'est pas mal, hein. Ça prend bien l'air, la profondeur de champ. Bien, bien. T'es courageux quand même, hein. Il n'entend rien avec le casque. On peut lui dire n'importe quoi, il n'entend rien. Faut en profiter, là. Bah ouais, sauf que j'enregistre à la caméra, donc... Faut enlever le son. Ah, je veux voir, ouais. Tu veux voir ce que ça donne. J'ai arrivé à la bourre et j'ai déjà pas été à. T'es courageux, mon GG, hein. Non. Si, sympa. Si, bah, t'es courageux, moi, je te le dis. C'est pas du courage. Ouais, je te dis, t'es courageux. C'est pas du courage, c'est du plaisir. C'est pour le plaisir. Alors, figure-toi, entouré de femmes ouais. À moitié à poil. Enfin, à moitié, complètement à poil. Même complètement. À ce temps-là, non, c'est pas. Bon, j'ai pas de prétention, hein. J'ai 62 ans. 62, là ouais. Alors, Jésus-Christ ou après. Tiens, viens mettre. Ça va te donner une idée d'un groupe de skate à paramoteur. Alors, celui-là, il fait 40 kg quand il est plein. Ouais. Les moins lourds font 17 kg, 18 kg. D'accord. En carbone, je sais pas, en carbone, en titane ou en alu. Avec évidemment pas le même moteur, ça, là il tourne à 6005 et l'autre on a 10 000. Donc plus fil up, plus puissant. Beaucoup plus puissant, ça a 200 km cube, mais ça tourne pas trop. Vous voulez essayer? Ah oui, d'accord. Oui. Parce que c'est une grosse différence. Vous arrivez à essayer avec ça sur le dos? Moi le mien est beaucoup plus léger. Vas-y, beaucoup plus léger. Ouais. Oui, sur la salette. Mais pourquoi le sien il est beau comme ça alors? Bah parce que c'est pas le même type de moteur, c'est pas le même type de châssis. Mais bon, faut pas non plus te... Moi j'ai un châssis alu, c'est léger l'alu. Cale-toi bien dedans. Parce que là il a un châssis inox, c'est plus lourd l'inox. Plus son moteur, c'est un fraîche brise, et donc c'est un moteur qui pèse lourd. C'est surtout ça qui pèse lourd. Ouais. Ça peut commencer rapidement. Parce que c'est puissant visiblement le... Mais, ah oui c'est ça, c'est lourd mais c'est puissant. Donc, c'est bon. Donc ici après tu... Tu sers comme ça. Sinon ça va se mettre. Voilà. Et puis t'assois. Alors tu vas te reculer bien derrière en mettant tes jambes ici le plus possible. Voilà, reste comme ça. Maintenant penche-la en arrière. Recule-toi bien, mets encore tes jambes encore plus. Voilà. Alors maintenant, il faut que tu te mettes tes genoux par terre, essaye de... Voilà. Voilà. Et tu te remontes bien droit. Voilà. Ah ouais, quand même. Pas un peu minuscule pour ça. Et maintenant, il faut faire un 100 mètres. Ah non. Ah oui, non c'est quand même... Mais bon, le plus emmerdant, c'est d'aller au point de décollage.